Le Sétoufaire du chemin de fer. On l'appelait le Sétoufaire. C'était un homme extraordinaire qui avait tout complet, qui ne faisait pas de manière. De son prénom, c'est des petits pieds qu'il tenait de son grand-père, originaire de Quimper, un même breton du Finistère. Il n'avait pas la tête en l'air, il avait très bon caractère, ses compères. Il travaillait au chemin de fer, y avait fait toute sa carrière en tant que garde-barrière dans la petite gare de Questembert, avec son vieux copain Bébert, qui considérait comme son frère, en tant qu'excellent partenaire. Il connaissait tous les horaires de la circulation ferroviaire, avec un sacré savoir-faire qui épatait tous ses confrères. Il avait fait la dernière guerre et n'en était pas peu fier. Un professionnel exemplaire qui ne déméritait pas son salaire, tant il était accro au chemin de fer. On l'appelait le Sétoufaire.